On est donc Daf Nundalet Amudalef, Masechet Souka. Vous êtes prêts? On est quatrième ligne aux deux points. Erev Shabbat chez Betor Hachag. Donc Erev Shabbat qui était Betor Hachag, on faisait des tkiot en plus en surnombre. C'est-à-dire qu'on a dit que le minimum des tkiot c'est 21. Ensuite on rajoutait, quand il y a Moussaf, encore 9, on est à 30. Et quand c'est Moussaf, c'est-à-dire Erev Shabbat chez Betor Hachag, on rajoute encore 6 Erev Shabbat. Les 3 pour prévenir, attention les amis, c'est bientôt Shabbat, arrêtez de travailler, mettez la plaque, les mains, hein, et encore 3, les Nérotes. Donc Erev Shabbat chez Betor Hachag, ça faisait en tout 36. D'accord ? Sur ces 36-là, on a dit que si en plus il y a Nisour Hamaïm, ça fait 48. Les 12. Les 12 de Nisour Hamaïm, les 3 Shara Nikanor, les 3 Shara Azara, les 3 quand on puise l'eau, et les 3 sur le Misbéar. Ça c'est le jour de Cholamoed. Ça c'est quand Erev Shabbat chez Betor. Maintenant la Gemara dit Vil ou les mal à Asirit Lokatane. On n'a pas parlé de les trois qui sont sur la dixième marche. Arrête dans la Mishnah, pas celle-là, mais celle juste d'avant. On dit que les Kohanim, ils soufflaient de la trompette. Ils descendaient la dixième marche. La Gemara même a demandé, ils descendent de 5, ils sont sur la dixième, ou ils descendent de 10, ils sont sur la cinquième. Et là on n'en parle même pas. Vil ou les mal à Asirit Lokatane. On n'en parle même pas. Ils font pas partie des 12 qui sont 3 fois 4. Matnitin, Mané Rabbi Lazar Ben Yaakov. Parce que la Mishnah, c'est Rabbi Lazar Ben Yaakov. Détania, Shalosh, le Maala, Asirit. D'après le premier Tana de la Mishnah précédente, Bémet, il faisait sur la dixième marche. Rabbi Lazar Ben Yaakov, Omer, pas du tout. Shalosh, Al-Gabé, Amisbéar. Il en enlève 3, il les met sur le Misbéar. C'est-à-dire qu'en tout, ils avaient une Kabbalah qu'il fallait qu'il y ait 12 coups de trompette pour Sheiva Tamaï. Maintenant, ces 12, je les dispatche comment? D'après le premier Tana, c'était 3 à Sharanikanor, 3 sur la dixième marche. 3 quand on passe la porte du Mizrah, et 3 quand on puise l'eau. D'après Rabbi Lézer Ben Yaakov, j'enlève les 3 de la 10e marche et je les mets au Mizbéar. Donc la Gemara dit Shalosh al-Gaba Mizbéar, Rabbi Lézer Ben Yaakov, Omer, Shalosh al-Gaba Mizbéar. Omer les Maala Asirit, et non Omer al-Gaba Mizbéar. Celui qui dit que je fais 3 tkiot sur la 10e marche, il ne faisait pas 3 tkiot sur le Mizbéar. Mais Omer al-Gaba Mizbéar, et non Omer les Maala Asirit. Ok ? En deux mots, en tout, il en faut 12. C'est juste comment je les disperse. Maintenant, Maïta Maderabézir Ben Yaakov, quoi lui dit Davka la Misbeach et pas sur la 10e marche? Qui va détaka les petits chats de Sharim, les Maala Asirit Amali? Tu viens de sonner de la porte, de la trompette, à la Shahar Mizrahit, c'est-à-dire Shahar les petits chats de Sharim, pardon. C'est-à-dire que quand tu as ouvert Shahar Nikanor, il y a 1 minute 20, tu as sonné la trompette. C'est bon, ça suffit. Descends, va à l'autre bout en face et tu ressonneras encore la trompette. Pas besoin de, à la 10e marche, encore sonner. Mais non, lui il te dit j'en ai 12. Ouais. Je préfère les dispatcher. Première à la porte, deuxième à la porte, troisième quand on puise l'eau, quatrième au Misbéar. Et le Malaï à Sirit sur la dixième marche, c'est pas besoin parce que je viens de sonner. Je viens de la porte de sonner, à la porte, je viens de sonner. Et l'autre Malaï en bas, on va voir. Donc la Gemara a dit Maïta Madera Bézer Ben Yaakov. Pourquoi d'après Rabbi Lézer Ben Yaakov, il dit que je ne sonne pas sur la deuxième marche, qu'il va détaquer les petits chachers, étant donné qu'il a sonné quand on a ouvert la porte de Shahar Nikanor, les malas, il n'y a pas besoin de sonner à la dixième marche. Maintenant, détaka, aïe. La Mali, détaka, aïe. La Shahar, aïe, c'est pas une porte. Sur la dixième marche, c'est pas une porte. Pourquoi tu veux que je sonne la porte de la trompette? Il dit, car Al-Gabé Abisber, c'est pour ça que sur le Misbéar, c'est mieux. La première, c'est devant la Shahar Nikanor. Oui. La première, c'est Shahar Nikanor. La deuxième, c'est Shahar Mizrahi, la Shahar du Ezrat Nashim. La troisième, c'est Sheiva. Et d'après Rabbi Zerben Yaakov, la quatrième, c'est au Misbéar. Vera Banan, c'est vrai qu'il va détaquer les Milou Yamaïm. Une fois que tu as sonné, quand tu as rempli le. Tu as fait Milou Yamaïm, Sheiva Tamaïm. Agabé à Misbéar, la Mali, du Kart, les Malas, Sirit Adif. Ça veut dire qu'il y en a. Chacun, il dit qu'est-ce qui est mieux. Un, il dit, je viens de sonner à la porte. La dixième marche, c'est pas une porte, je sonne pas. L'autre, pourquoi tu me fais un kécher entre eux? Le fait de sonner la porte, tu vois très bien que même quand je suis dans le Misbéar, il n'y a pas de porte. C'est la porte qui va. Mais attention, mais les portes, c'est quand même c'est des étapes importantes. Le passage de la porte, c'est le Icar, on est d'accord, c'est même pas chez Evat Maïm, c'est Nisour Hamaïm. C'est Nisour Hamaïm. Donc vadaï que le Misbéar, il est le plus important. C'est ça qui te dit. Mais encore une fois. Tu me retires en me disant du fait que je passe pas je suis pas à côté du port. Ouais. Je viens de sonner la porte de derrière. Là, je suis sur la dixième marche, je sonne pas. Tu dis que c'est la deuxième étape. Ouais.
C'est pas une étape la dixième marche. Qui a Taraviacha bar Chanina. Quand Ravacha bar Chanina est arrivé, revenu de Midaroma, du Darom, donc du Darom, c'est-à-dire du sud de l'Eretz Israël, parce qu'il y a marqué Arotzelarkim Yadrim, c'est là où ils allaient étudier la Torah, c'est dans le sud. A été Matnita Beyade, il a ramené une braïta dans ses mains. Ou Bene Aaron Akohanim Itkiou bar Chatzotzot. Il y a marqué que les Kohanim, les enfants de Aaron Akohen, c'est eux qui sonnaient de la trompette. Chez Entam le mari Itkiou. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il sonne la trompette? Chez Gvar Neymar, Ut Katem, Bachat, Srotsrot, Alolo, Techem, Valzibre, Shalmechem, comme je vous ai dit hier, que sur chaque Korban, Tamid et Shlamim, on faisait trompette. Alors pourquoi tu as besoin de dire encore une fois, Ou Bene Aaron, Itkeu, Bachat, Srotsrot? Non, Ou Bene Aaron, Bachat, Srotsrot. Itkeu, je le sais déjà, parce qu'il y a marqué Ut Katem, Bachat, Srotsrot. Ou Matan Lomar, Itkeu, Akol et Fia Moussafin, Toki. Pour te dire que tout est dépend des Moussafin. Qu'est-ce que ça veut dire? Utanela avu amarla, il a enseigné le lachon de la braïta tel qu'il a entendu et il explique, à savoir, l'omar chez Tokin alkol moussaf moussaf. Chaque fois qu'il y a un korban moussaf au Beth Amikdash, on fait la trompette. Donc le tamid nécessite 9 coups de trompette, le moussaf aussi. J'ai 2 moussaf, 18. J'ai 3 moussaf, 27. Quand est-ce qu'on a 3 moussafines? Chavesh, Shabbat. Et Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Chazakbor. Rosh Hashanah, c'est le seul. Rosh Hashanah, on a 3 Moussafim. Donc ça veut dire que si maintenant, et là maintenant, la Gemara elle va rentrer dans une partie un petit peu mathématique, à savoir qu'on m'a dit dans la Mishnah que j'ai pas moins de 21 et j'ai pas plus de 48. Elle va essayer de trouver une faille. À savoir que si je t'additionne le maximum de korbanot, maintenant que j'ai un nouvel élément, que sur chaque Moussaf je fais 9 coups de trompette, si j'additionne et je fais des Moussafim en plus, etc. Alors, est-ce que je vais réussir à passer les 48 ou pas? On va voir. Regarde ce qu'il y a avec moi. Tnan. Erev Shabbat Shebetor Achag. Donc, Erev Shabbat qui est pendant le Chag à Sukkot. Ayusham Memchet. C'est le maximum. Je répète. Erev Shabbat, la veille de fête, la veille de Shabbat, qui est un jour de Chol HaMoed, c'est le maximum. Pourquoi? Parce qu'un jour normal, c'est 21. Là, on est en plus, il y a Sheivat Meim, sauf on en rajoute 12. Ça fait 21 et 12, 33. Sur ça, il faut les 6 de Erev Shabbat, ça fait 39. Sur ça, il faut rajouter le Moussaf, 48. 9 de Moussaf, 48. Ok ? Erev Shabbat, Shebetor, Achag, Ayusham, Memchet. Veimita, si ton klal il est vrai, qu'à chaque fois qu'il y a un korban Moussaf, je sonne 9 coups de trompette, Litne Shabbat, Shebetor, Achag. Pourquoi tu m'enseignes Erev Shabbat, Shebetor, Achag ? Dis-moi Shabbat, Shebetor, Achag. Pourquoi ? Parce que Shabbat Shebetor Chag Mashkachat là, Chamshim Vechad, c'est encore mieux. Shabbat Shebetor Chag, j'en ai 51. Oui, mais on avait dit qu'on ne fait pas Shabbat. Oh, ça va être le petit rouge de la Gemara. Mais à ce moment-là, apparemment, la Gemara, elle va pas selon ce. Elle, exactement. À ce moment-là, la Gemara, elle admet la Gemara que même. Non, il y a Sheivat Hamayim Shabbat. Il y a Nisou Hamayim, il n'y a pas juste Sheivat Hamayim. Donc elle pensait, même s'il n'y a pas Nisou Hamayim, il y a combien de qu'il y a les Tkiot. Pourquoi il y aurait s'il n'y a pas Sheivat Hamayim? Parce que les tkiot, c'est un digne de simcha. Parce que le c'est ce qu'il vient de dire avant. Mais elle est liée à une action. Tu fais pas l'action, tu fais pas la tkiot, tu fais pas tout ce qu'il y a avec. Tu sais ce qui est fait la simcha, toi? Je sais que lorsque je passe une étape... Tu sais me donner le rapport entre la simcha et Nisou Hamayim? Non, je sais que lorsque je passe une étape... Ça, c'est dimanche. Ça, c'est dimanche. Je suis très chaud pour ça, d'ailleurs. Je sais. Il faut que tu te reposes bien Shabbat. Ouais, il faut bien te reposer. Bien en forme. Attends-toi, on va bien préparer aussi le dossier. Prépare. Pour être en forme. Non, on a dit que c'était chaque étape nécessite. J'entends. Bémet, la Gemara va répondre ça. Bémet, c'est Betor Havamina. La Gemara dit Bémet, si tu arrives, ça veut dire que normalement, un Shabbat, Shabbat chez Betor Hacha, qu'est-ce qu'on vient de dire en haut, c'est 48. N'est-ce pas? Rêve Shabbat chez Betor Hacha, c'est 48. Maintenant, étant donné que là, j'ai. En plus, qu'est-ce que j'ai en plus le Shabbat? J'en ai 3 en plus qui sont. On a dit le Moussaf. Le Moussaf, Erev Shabbat aussi, j'ai Moussafine. Pourquoi là j'arrive à 51? Oui, je ne me rappelle plus. Ah oui, très bien, pardon. C'est que. Oui, il y a le Moussaf de Shabbat. J'enlève les 6 de Erev Shabbat, qui dit aux gens arrêtez de travailler. Et je rajoute 9. Donc en tout, j'en ai rajouté 3. Erev Shabbat,